Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tibourou. On se retrouve à nouveau à la campagne pour faire un petit tour des travaux fin ce week-end. Eh bien, c'est parti. Donc, on a dégagé toute la devanture de toutes les ronces qu'il y avait. Tout ça s'est nettoyé. On voit bien les toits. La façade est toute belle. J'ai planté mes salades. Une dizaine de salades, on verra ce qui prend et ce qui prend pas. Là, c'est l'entrée du premier four où on a bien dégagé par au-dessus. Il ne reste plus qu'à mettre des plaques. Comme ça, on aura un beau jour avec vue sur les acacias. Toujours à l'intérieur du four que la dame n'a pas dégagé. Ensuite, on avance. Là, la belle devanture. Donc mon chéri a mis une jolie petite poutre comme ça pour décorer. Ici, il nous a mis le pressoir pour faire style ancien. D'ailleurs, c'est ancien, c'est pas un style, c'est du réel. Donc le grillage qui a été terminé, mais ça c'était la semaine dernière. Alors ici c'est pareil, tout est dégagé, mais on a laissé des ronces devant parce qu'on n'avait pas le droit de monter sur le toit, mais on y était quand même. Voilà, voilà. Là on aperçoit une des cheminées, donc la petite cour. Là il y a un tas de ronces à débiter en petits sacs poubelles. On en a déjà débité 20 sacs poubelles à couper en petits bouts. Ensuite, donc ça c'est la petite maison à oiseaux avec notre campement. Donc mon chéri a dormi à la belle étoile sur un lit de camp avec sa moustiquaire et moi dans la tente avec le toutou. Voilà. Ainsi, bon bah là le grillage a été terminé, hein, bien sûr. Là c'est la douche solaire. Donc l'eau est à, on va regarder. Je ne sais pas si il veut quand même. Donc comme ça, on peut se laver. Le chargeur solaire pour les téléphones. On est équipé. Donc là, j'ai planté des tomates et des poivrons. 3 pieds de tomates, 3 pieds de poivrons. 1 pied de citronnelle. On se demande pourquoi, hein, pour mes allergies moustiques. Ensuite, toujours le grillage. Voilà, voilà. Ça, tout ça, tout ça. Là, ça a été dégagé. Là, une partie des sacs poubelles, des ronces débitées en petits morceaux, du bois pour le barbecue qu'on coupe un petit bout, du bois de chauffage et le campement devant le camping-car. Voilà, voilà. Là, on était parti avec les 3 toutous, donc dans l'autre sens, voilà ce que ça donne, le beau terrain, super aménagé et tout. On est heureux comme des princes. Ce petit vlog. Et puis, je suis toujours aussi belle, hein, n'est-ce pas? Là, on s'est fait 3 jours de travail, donc autant dire qu'on n'en peut plus, on est mort. Allez. Bah non, je peux pas vous montrer le péché puisque là, je suis face à moi. La vue par derrière avec le campement. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.